Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, programme, et nous allons faire le dos en trois exercices. Donc, prends une bouteille d'eau, des haltères, et on commence. Exercice numéro 1, on va faire du rowing avec haltères. Donc, on va prendre en pronation, comme ça, hop. Ok? On va pas prendre en supination parce que supination, c'est plus tes biceps qui vont prendre, d'accord? Surtout si les biceps sont pas forts comme moi, c'est les biceps qui vont prendre. Donc, non, on va prendre en pronation. Ok, on va faire ça 4 fois 10 reps. C'est parti. Hop. 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 Position de départ. On met bien les fesses en arrière. Et 1, 2, 3, 4. Ok. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Temps de repos. Entre 1 minute et 1 minute 30, d'accord? Bien évidemment, je ne charge pas mon chronomètre. Oh. Ah ouais, là, on va se réveiller avec le dos. Tu peux t'échauffer en traction si tu as une barre de traction à la maison. Moi, j'en fais pas parce que le but, c'est de montrer un petit programme en haltère. Mais oui, c'est très intéressant de s'échauffer en traction. Oh. Je désactive ma 4G et ma Wi-Fi. J'ai pas besoin de parler à des gens. Je suis là pour m'entraîner. Parce que là, j'ai trop de notifs là. Oh. Oh. On est à 39 secondes. On va repartir tranquillement. Ok. Là, comme je t'ai dit, je suis pressé de faire 15 vidéo programme. Comme ça, j'aurai le droit de retourner à la salle. Parce que là, j'ai pas le droit. Alors, tant qu'il n'y a pas 15 vidéos, j'ai pas le droit. Oh. Bon, il est 1 minute. On va repartir tranquillement. C'est parti. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis mon trait. Comme ça, je garde du temps encore. Allez, hop, 10 reps. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 7, 8, 9 et 10. Hop. Temps de repos. Et le petit trait, on est à 2 séries. Je vais m'asseoir tranquillement. Oh, ah, c'est trop. Ouh, c'est du bien de s'asseoir quand même. Ça fait du bien. Plus j'ai une chaise là-bas, là. J'aurais dû la prendre au cas où. Mais bon, on est bien quand même sur le banc. Le dos, faut savoir, c'était un gros point faible pour moi. Qu'avant, je bossais énormément et après, j'ai arrêté de bosser, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que je voulais tellement des pecs que j'ai arrêté mon travail sur le dos. Et toutes mes séances dos, je l'ai remplacé par un rappel pec. Parce que je travaillais plus le dos. Je faisais plus de traction, je faisais plus rien. Et c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Là, je me suis rendu compte que il me fallait vraiment un dos. Pour être complet, pour progresser et esthétiquement, ben, je kiffe le dos, tu vois. Donc, je voulais un dos massif. Donc, j'ai pu récupérer un peu de dos. Là, tu peux voir, mon dos est un peu dessiné. Mais c'est pas encore ce que je veux. Tu vois, mon dos n'est pas encore à mon niveau, tu vois. Et on va le chercher. 1 minute 11, on repart tranquillement pour la 3e série. Allez. Hop! On met bien les fesses en arrière, dos droit et 1, 2, on va chercher bien bas, tu vois, et on monte 3, 4, 5, on contrôle toujours, 6, 7, 8, 9 et 10. Chrono est montré. Ouh. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais... prise, on va dire un tout petit peu. Attends, je vais me mettre là. Tu vois, on va dépasser les épaules, ok? Pour avoir une petite prise large. Pour vraiment, hop, travailler le dos en largeur, ok? Oh. Parce que là, on a des haltères. On n'a pas une barre. Avec une barre, on peut prendre une prise un peu plus serrée. Mais là, on sera gêné par les disques. Donc là, on est obligé de travailler en largeur. D'accord? Pour avoir un dos bien large et tout, c'est important. Et c'est pas plus mal d'ailleurs de travailler le dos en largeur.
Ah ouais, elle est déjà 40. 45. Premier exercice, bientôt terminé. Bah là, j'espère que tu aimes vraiment ces programmes et que ça t'aide à évoluer. Moi, je prends du plaisir à les faire. Et là, c'est bon parce que je suis déjà essoufflé alors que c'est l'exercice numéro 1. C'est incroyable. 1 minute 5, on va repartir. Et on va se reposer 2 minutes. Allez, on y va. Hop. Tu vois, moi, j'aime bien me mettre en soulevé de terre tranquillement. Et je me mets bien et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 6, 7, 8, 9 et 10. Je mets mon chrono. Je mets ma quatrième barre. Ok. On prend deux, enfin une, deux ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va se faire du bûcheron avec haltère tranquillement. On a le banc là. On prend appui sur le banc tranquillement et hop, on ramène l'haltère. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est la ramener et un peu ramener mon corps, tu vois, pour avoir un peu plus d'amplitude. Il y en a, ils font juste comme ça. Moi, j'aime bien aller chercher un peu plus, ok? 4 fois 10 reps, c'est parti. Unilatéral. Allez. Oh. Une. Deux. Trois. Ok. Quatre. Regarde le dos comme elle est. 5, ok. 6, allez. 7, 8, 9 et 10. Oh, allez. 1, 2, ok. 3, 4. 5, 6, allez, 7, ok, 8, 9 et 10. Alors, chrono, mon petit trait, et je m'assois, c'est sûr. Oh. Alors, le rowing, enfin le rowing, le bûcheron. C'est un exercice où de base tu peux charger, tu vois. Tu peux mettre de la charge, mettre du poids, à condition que tu fasses bien le mouvement. Et là, c'est moi qui me tue. Franchement, là, je suis mort, je suis KO. Oh, mais ça fait du bien. C'est important, faut bien bosser. Oh. 30 secondes. On va repartir à 50, tranquillement. Parce que ça amuse bien et j'ai envie de rester dans une ambiance où je suis usé, tu vois. Comme ça va travailler mon endurance musculaire. Sachant que là, j'ai plus d'endurance musculaire. Parce que je fais que des séances lourdes à la salle en ce moment. Avec le frérot. Enfin, je faisais que des séances lourdes parce que là, je suis puni à faire des programmes. Et du coup, quand je soulève des charges un peu plus légères, ben, je suis essoufflé, c'est pas bon. D'accord? Et là, ça m'entraîne. Allez, c'est parti, on va repartir. Tranquillement, comme je t'ai dit, je te prends ton haltère. Et une, ok. Deux, ok. Trois, allez. Quatre, ok. Cinq, ok. Six, allez. Sept, allez. Huit, ok. Neuf, oh. Et dix. Oh. 1, 2, 3, 4, allez, 5, ça fait mal, c'est que ça bosse. 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Tu vois, si j'avais pas fait les traits sur ma feuille là, c'est sûr que j'aurais sauté une série. Là, je me serais dit, il en reste une et c'est fini. Oh. Mais non, il en reste deux. Il en reste deux. D'ailleurs,
pour les vidéos en salle de sport. Je sais que on m'a donné des idées de vidéos. Si toi t'as des idées de vidéos que je fasse en salle de sport avant que ça ferme, parce que je sais pas si ça va fermer ou pas, dis-le moi dans les commentaires. Ça peut être intéressant, d'accord? Parce que voilà, là je me mets en mode programme de muscu. J'espère que je pourrai en faire 15 quand même, hein, au moins. C'est bien 15. C'est bien, c'est la moitié du mois. C'est bien. Mais je cherche des idées pour la salle, vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que juste des vidéos où je vais à la salle, je monte ma séance. On verra, on verra. Ça peut être intéressant, mais on verra. Surtout si je fais une sans jambes. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les jambes. Mais. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait que les jambes. Parce que j'aime bien faire du squat et après je fais le haut du corps, tu vois. Mais une sans jambes entière, ça fait très longtemps. Déjà, avec mon frérot, c'est sûr qu'une vidéo jambes arrivera. C'est sûr. 1 minute 30, on repart. Tu vois, là, j'ai vraiment pris ma minute 30 là. Je suis mort. Allez, on y va. Une, hop, deux, et trois, allez, quatre, ok, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. En fait, je sais pourquoi. Hier, j'ai pris mon café. C'est pour ça que là, j'ai pris aucun café. Je suis fatigué. Une, deux, oh, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, et dix. Oh. Chrono et mon petit trait. Ouais, hier j'ai pris un café. J'ai fait 4 programmes hier quand même. 4 programmes. Il me semble que j'ai fait biceps, triceps, épaules. Il me semble que j'ai fait ça hier. Mais là, je suis mort là. C'est incroyable. Après, on va pas se mentir. Je me suis levé, j'ai fait un petit déj. On va dire un petit déj sucré, tu vois. Sachant que c'est à Chandler aujourd'hui, j'ai pas mangé de crêpes. Hein, j'ai pris un petit déj sucré, mais pas de crêpes. Et j'ai bossé direct. Hein. Je me suis dit, bon, faut faire le programme. J'ai répondu au message qu'on m'a envoyé sur Instagram. Parce que d'ailleurs, merci pour tous vos messages hein, sur Instagram. Et n'hésitez pas que vous m'envoyez des messages par rapport au sport. Même des remerciements. Je réponds à tout le monde, d'accord? Je suis pas une star. J'ai pas, enfin, je suis pas débordé. J'ai beaucoup de messages, tu vois, mais je suis pas débordé. Donc je peux répondre à tout le monde sans faire la star. Et c'est ça le rituel du matin. Je me réveille, je vois les commentaires YouTube, je réponds, je vois les messages, je réponds. Et les demandes clients aussi en vidéo. Et après je bosse. Ça, j'ai vu le temps, il était 1 minute 16. On va attendre jusqu'à 30 tranquillement et on va repartir. Oh. Premier programme où là, je respecte mon temps de repos, 1h30. C'est incroyable. Premier programme où tu sens que je suis un humain comme toi. Sinon les autres, je suis un animal, c'est moi. Allez, c'est parti. Une, deux, ok. Trois, allez, quatre, ok. Cinq, six, allez, sept, ok. Huit, neuf et dix. Même mes bras congestionnent. Incroyable. Allez. Une. Ok. Deux. Trois. Quatre. C'est rien. Cinq. Six. Sept. Concentré. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Mon petit trait. Bon, temps de repos. Bon, tu prends une, deux ou trois minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va faire le oiseau haltère tranquillement. Donc, tu prends soit une chaise, soit ton banc. Mais moi, j'ai pris la chaise, c'est mieux, je suis mieux sur la chaise.
Hop, je t'explique le mouvement. Tu te mets comme ça et tu lèves les haltères tranquillement. Tu vois, c'est comme des élévations latérales, sauf que tu as une position un peu chelou. Et ça va travailler l'arrière-épaule et aussi un peu le dos. Très important parce que l'arrière-épaule, ça va avec ton dos. 4 fois 10 reps. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ouh. Oh, le chrono. Et le petit trait tranquillement. Voilà. Ouh. Repos entre 1 minute et 1 minute 30 et on repart. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait tu vois sur haltère. Très longtemps. Ça fait du bien. Par contre, ce programme dos, de toute façon, je te le redirai à la fin. Hein. Ce programme dos, c'est bien si tu le fais en premier et après tu fais soit un programme épaule ou un programme biceps. Mais pour cela, je te conseille un programme épaule. Notamment celui largeur épaule avec des actions latérales ou alors avant épaule, mais plus largeur. Dos, grosse épaule, largeur épaule. Là, t'es bien, ok? T'es vraiment bien. Il est 52. Oh, on va repartir tranquillement. Je me sens plutôt bien. C'est parti, direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Chrono. Le petit trait, parce que tout à l'heure le trait je l'ai fait avec la main gauche, j'ai plus fait un pâté qu'un trait. Voilà, là, je suis bien. Oh. Oh. 1 minute, 1:30 de repos. Là, tu sais, j'ai envie de quoi là? J'ai envie de repartir en Thaïlande. C'est incroyable. Je suis parti en vacances en Thaïlande. C'était vraiment bien. Franchement, vraiment, vraiment bien. J'ai rien montré sur YouTube, j'ai pas fait de vlog et tout. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois. Sachant que je suis quelqu'un qui est dans la vidéo. Donc tu t'imagines bien que niveau qualité, je vais faire un truc de fou. Mais voilà, ça va dépendre de plein de choses. Ça va pas dépendre des revenus de la chaîne, clairement, parce que les vacances, c'est ce que je kiffe, tu vois. Et ça, je vais partir avec mes propres revenus, je m'en fous. Parce que je pars pas en vacances pour les abonnés, pour ça, je pars pour moi. Donc c'est sûr que j'irai en vacances encore. Mais le vlog, oui, là, c'est pour les abonnés, clairement. Parce que c'est chiant, hein, c'est chiant. Partir en vacances et filmer, c'est chiant. Je suis parti, quoi, 4-5 fois en vacances, peut-être, sans les parents. Vloguer, c'est compliqué. Parce que t'es plus là où tu profites de tes vacances, dans un mood là, que le mood où tu filmes et tu profites pas de tes vacances. Mais on verra. Déjà, il faut que les frontières, ils ouvrent tranquillement. Et après, on parle de vacances. J'ai pris une trentaine de repos. Là, c'est la troisième. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Oh. Chrono. Troisième trait. Il en manque une. Et la séance. Soit elle vient de commencer pour toi, ou soit elle se termine pour toi. Mais moi, vu mon état, elle va se terminer pour moi. Et la chaise, elle m'a griffé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que je suis en train de regarder là? C'est ça. Ça. Je vois si on voit bien. Ça, c'est un gel antibactérien de fou. Déjà, c'est une gelée, c'est pas liquide. Et il y a l'alcool. Combien d'alcool? Je sais pas, il y a combien d'alcool, mais ça fait mal, tu vois. J'ai une griffure. En fait, j'ai peur. J'ai peur de la mettre. Mais je vais mettre quand même, je m'en fous. J'ai un antibactérien. Ah, c'est pas des blagues. Ah, c'est pas des blagues. Attends, je vais frotter un peu.
pas des blagues. Ah putain, non c'est bon, je repars direct. 1 minute 15, c'est bon. Je passerai plein les deux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, 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 ça me brûle encore, putain. Bon, tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos et soit tu passes à un autre de mes programmes. Pour ça, je te conseille le programme largeur des épaules. Tu vois, avec, il me semble que j'ai fait du militaire, des élévations latérales, omnilatérales et élévations latérales. Ça, c'est parfait. Ou bien alors, l'avant des épaules. D'accord? Ou bien les biceps. Mais bon, je te préconise de faire les épaules après ça. Ok? Ouh. Ouais, j'étais obligé de me reposer pour le mot de la fin. Là, je suis KO. Comme je t'ai dit, après cette vidéo-là, passe à notre programme. Je te conseille le programme largeur des épaules juste après celui-là. Franchement, ça sera vraiment bien. Si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Merci. Si t'as abonné ou abonne-toi si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.